You can jump. Oui, tu peux sauter. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour Sonic Rush Adventure. Ça sent les vacances. Alors c'est un vidéo test qui se fait le 9 septembre 2021. C'est un peu la fin des grandes vacances, hein, mais bon, c'est y pas. Let's do it. Ah, je suis toujours à jour, hein, moi. C'est parfait. Ah, mais les vacances continuent sur la chaîne Oliver Flav, attention. C'était d'ailleurs pendant les vacances qu'il n'y avait aucun contenu, et là, il y a enfin du contenu. Alors, du coup, précédemment, je vous avais fait un vidéo test sur Sonic Rush. Et donc maintenant, on va faire un test sur son petit frère, Sonic Rush Adventure. Alors, qu'est-ce qu'il en retourne de ce magnifique jeu de plateforme? Bon, je vais pas vous réexpliquer comment se joue Sonic Rush, parce que bon, Sonic Rush Adventure est la suite directe de Sonic Rush. Donc on retrouve Blaze the Cat, Tails, Mill Power, enfin voilà, et Sonic évidemment. La base, avec quelques nouveaux personnages comme, il me semble qu'elle s'appelle Marie, celle-là, là. Marine, voilà, je confonds toujours. C'est comme les vrais Marie et Marine, je confonds toujours ce prénom, c'est magnifique. Et donc voilà, on atterrit tout simplement sur son île, je sais pas, c'est un peu elle, le maire de l'île, si je puis dire. Alors, bah, je ne sais plus trop l'histoire, mais bon, on s'en fiche un petit peu, c'est un Sonic. Et donc comme vous pouvez le voir, on a un hub central, un peu plus complexe que Sonic Rush, car là nous avons pas simplement, nous n'avons pas simplement une carte du monde avec les différentes actes. Là c'est assez différent. Là en fait on a, comment dire, une sorte de hub central où l'on peut utiliser différents véhicules. Alors voilà, on a l'espèce d'Overcraft, là. Overboard. Non, Overcraft plutôt. Là nous avons un Aquablast, voilà. Ah d'ailleurs il l'appelle comment celui-là? Le Wave Cyclone. Bon bah, nous avons le Wave Cyclone. Voilà. C'est. Il fait des vagues et il peut créer des cyclones. Voilà. Très clair comme bon. L'Aquablast, voilà, il. Voilà. Il tire des lasers, tu vois. Et il est aqua, hein, aquatique, hein, parce que forcément il va sur l'eau. Voilà. Incroyable comme nom. Des petits typhons. Là par contre Deep, je ne saurais traduire. Mon anglais est un peu limité. Mais voilà, c'est un sous-marin. Et ça c'est le spoil. Et Océan Tornado. Qui est en fait. On peut dire, c'est un peu le X-Tornado, mais. Mais en bateau. Voilà. Tout simplement. Il est suréquipé le bordel. Et bon, on va commencer par le Wave Cyclone. Et c'est que comme ça qu'on peut, en fait c'est qu'en naviguant avec l'un de ces 4 véhicules, que l'on peut en fait sélectionner les niveaux, les actes. Bon, même si on a un mode, bah, quand on débloque pour la première fois une zone, après on pourra recommencer à jouer cette zone directement dans le hub central en parlant à un PNJ. Et bon, là, je vais vous montrer comment ça marche. Admettons que nous allons pour la première fois sur cette île là, sur la gauche. Je bouge avec mon stylet, c'est le turfu. D'ailleurs on peut hop dézoomer. Comme vous voulez pas, c'est quand même assez grand. Combien d'actes il y a en tout, je ne sais plus trop. On pourra voir ça plus tard. Hop, let's go. Allez, une petite cinématique hein, pour voir. Sonic qui est en train de caler plusieurs fois d'affilée. Ah c'est bon, il a réussi. Il y a eu le point de patinage. Il s'est enclenché. Et voilà, let's do it. Ah voilà, on bouge Sonic avec le stylet. Hop, on peut récupérer des anneaux. Ça ne sert pas à grand chose. Hop, et quand on... voilà. Quand on arrête d'appuyer en fait sur l'écran tactile avec le stylet, hop,
Tout simplement, il freine. Bon, il y a divers objets, voilà, diverses capsules que l'on chope sur l'eau, voilà, ces trucs-là, là, les machins verts, qui permettent d'avoir divers bonus. Ah, la flèche ne marche pas. Ah, purée, mais pourquoi ça marche plus? Ah, mais c'est que je regarde l'écran de l'ordinateur, mais je ne sais même pas où je mets mon stylet. Voilà, plutôt regarder la DS, hein, c'est un peu plus important. Donc là, j'ai utilisé le super boost qui est en haut à droite. Hop! En tapotant deux fois avec le stylet. Et donc voilà, c'est quand qu'on va enfin avoir du vrai Sonic? Parce que bon, là, vous avez vu quand même un gameplay assez particulier. Avec le stylet. Hop, débarquer sur l'île. Et là, vous allez retrouver les mêmes sensations que les. Que le Sonic Rush. Alors, sauf que cette fois-ci, dans ce Sonic Rush Adventure, ben, ces gars ont compris que finalement ça sert à rien de faire un deuxième mode histoire avec Blaze, en nous mettant en fait directement Blaze, voilà, on peut directement la sélectionner dans n'importe quel niveau. Bon, faut quand même prendre Sonic parce que c'est quand même la base. Mais voilà, c'est. C'est plutôt cool de pouvoir directement sélectionner Blaze. Je crois qu'on l'a dès le départ dans le jeu. C'est assez rapide. Dans mes souvenirs. C'est bon. Vous vous en doutez bien, c'est une très vieille sauvegarde que j'ai sous le coude là. Et donc ça fait très longtemps que je n'ai plus refait le jeu. Juste pour les besoins de la vidéo. Hein. J'ai refait quelques niveaux avant pour me mettre un peu dans le bain. Même si bon, c'est quasiment la même maniabilité. Enfin, c'est même ouais, la même maniabilité que Sonic Rush. Hein. On a les mêmes boutons, on a le système de boost qu'on voit à gauche. Hop, il y a juste le. L'interface qui a un peu changé. Et bon, sinon Sonic se manie toujours aussi bien. Hop. Yeah. Par contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai zéro vie. Je suis un peu dans la mouille. C'est toujours composé, enfin là. C'est le même compositeur que pour le premier Sonic Rush, c'est-à-dire c'est le compositeur de. J'allais dire Crazy Taxi, non? Le Jet Set Radio. Bon voilà, c'est toujours aussi déjanté. Et avec un style très Daft Punk. Hop. Enfin, pour moi, je trouve. C'est un côté Daft Punk, un peu DJ avec des cratchs. À tout va. Du cratching. Je ne sais plus le terme technique. Alors là, on vient de débloquer des matériaux. Petits matériaux verts. Alors qu'est-ce que c'est? Et ben c'est tout simplement des objets de craft. C'est-à-dire que qu'on a un peu de crafting dans le jeu. Bon, alors calmez-vous, c'est pas le crafting horrible de God of War, du dernier God of War en date. Bon, je suis un peu faible. Mais c'est du crafting vraiment. Vraiment vite fait. Mais bon, pourquoi pas. Hein. C'est qu'on peut upgrader, en fait, généralement la barre de vie ou la barre de turbo, il me semble, des différents véhicules que l'on peut hop, conduire sur l'eau. Donc l'espèce de d'Overcraft, le bateau, le sous-marin, etc. L'autre, c'est l'espèce de bateau avec une bouée, là. Je décris très bien les véhicules. Oh, je fais n'importe quoi. On remarque plus ma prestation ridicule que
que la description incroyable que je fais sur les différents véhicules que l'on contrôle. En tout cas, voilà, bah, vous voyez, hein, c'est toujours du Sonic Rush, assez bien maîtrisé. Ils sont un peu plus cool au niveau de la note, hein. C'est vrai qu'on a très souvent des rangs A. Après, bon. C'est pas trop ce qui m'intéresse à Donf. Hop. Alors, on rencontre le tout premier boss. Et généralement, dans les îles les plus importantes, puisqu'on peut tomber sur des îles vite faites où on n'a que deux actes, ou un acte, mais qui sont très très courts, hein, c'est des actes de 40-50 secondes, des petits niveaux, petites parcelles de niveau. Eh bien, généralement sur ces îles-là, il n'y a pas de boss. Mais les îles principales, du coup comme celle-ci, il y a à chaque fois un boss à la fin. C'est plutôt pas mal, hein, y a un petit côté open world, hein, vite fait. Semi-open world dans ce Sonic Rush Adventure. C'est peut-être pour ça qu'il y a le mot adventure dedans, attention. Alors, vous pouvez voir quand même que graphiquement, c'est un peu plus propre, un peu plus détaillé que Sonic Rush. Quand même un peu plus de décor dans les arènes de boss. Bon, par contre, pour les niveaux, je dirais que c'est du même niveau. Voilà. Magnifique répétition. Au passage. Mais ouais, les différents niveaux ont. Bah, ils ont un meilleur level design, un peu plus travaillé, c'est un peu moins. C'est un peu moins, comment dire. C'est un peu moins linéaire comme l'autre où on pouvait utiliser le turbo. Un peu à n'importe quel moment. Là, vous avez vu, hein, j'ai vachement bourré. Pourtant, c'était les deux premiers actes du jeu. Le deuxième acte, j'ai bien galéré. J'ai fait un peu n'importe quoi. Faut quand même un minimum connaître le level design du niveau. Car il peut être fourbe. Et il ne faut pas toujours utiliser à n'importe quel moment le boost. C'est un peu plus technique que le premier Sonic Rush à ce niveau-là. Et puis sinon, graphiquement, les niveaux sont, bon, sont peut-être, hein, c'est peut-être pour lui donner un petit coup de pouce à la note finale de ce Sonic Rush Adventures, mais peut-être que c'est un petit peu plus fin que Sonic Rush, voilà. Sur le plan 2D. Et bon, moi j'ai surtout remarqué qu'il est plus beau graphiquement en 3D, voilà, la modélisation des différents personnages, c'est un poil plus détaillé, bon, c'est pas non plus... Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais... Ça a le mérite d'être souligné. Alors, du coup, on va dans le hub central. Il y a toujours un mode de joueur qui est assez important aussi, comme le Sonic Rush premier du nom, on peut... Il est assez poussé. Alors, à quoi il sert déjà, lui? T'as une nouvelle mission. Ah oui, d'accord, oui, parce qu'on peut avoir des petites missions... Alors c'est généralement récupérer tel matériau à tel endroit. Alors c'est pas... Enfin tel matériel plutôt. Ou si tel matériau, il y en a plusieurs. Je m'emmène les pinceaux. Oula. Je m'emmène les pinceaux, vain dieu. En tout cas voilà, c'est pas très intéressant par contre les quêtes annexes comme ça. C'est plus histoire de dire, bon on trouve tel matériel pour pouvoir... upgrader les différentes machines que tu contrôles, voilà. Donc le Wave Cyclone, le machin. Bon, je vais vous montrer les différents gameplay, voilà. On va utiliser celui-là. Hop. Et puis ce qui est mieux, c'est que là, Tails n'est pas animé, et il ne fait pas que de dire yes. Voilà, il y a juste un bruitage quand il y a une bulle de dialogue. C'est pas plus mal. Qu'est-ce que je peux choisir comme niveau là? Ah oui, et ce qu'il y a. La petite icône qui est barrée là, juste ici. En fait, c'était le rival de Sonic.
Enfin, une espèce de Metal Sonic, mais version moins charismatique, en gros. Qui essaye de nous vaincre sur la mer en faisant des courses, voilà. Bon, le classique, hein. Et on, du coup, on a droit à quelques courses avec lui. Généralement, c'est avec l'Overcraft. Enfin, il me semble que c'est même que avec l'Overcraft, avec le tout petit véhicule, le premier véhicule du jeu. Et je crois que... Il me semble que c'était avec lui... Enfin, fallait vaincre ce personnage-là pour pouvoir récupérer les émeraudes du chaos, il me semble. Je me souviens que c'était ça, je ne suis pas sûr. À vérifier. Et ce qu'on voit en gris, en fait... Ce qu'on voit en gris sur la carte, c'est juste les endroits que je n'ai pas encore visités. Je peux passer dessus. Voilà. C'est tout. Bon, globalement, j'ai tout trouvé. Je ne sais plus où l'on voit ça, mais les différentes îles, mais où l'on a tout, enfin le nombre total des îles du jeu. C'est marqué quelque part. Alors attendez, tiens, le bateau pirate est plutôt pas mal. J'ai de bons souvenirs. Alors c'est en gris, normalement on va quand même pouvoir passer. Il y a certains endroits où on ne peut pas passer, on est obligé d'y aller en sous-marin. Ça peut arriver. Hop. Alors la maniabilité de ce véhicule, c'est quasiment la même que l'autre. C'est juste qu'il est un peu plus lent, voilà, quand on bouge. Il a un peu de retard. Il ne peut pas faire de boost. Mais à côté de ça, hop, il tire des gros blasters. Ça, c'est ce qu'on veut. On veut que ça canarde. On veut que ça sente le sapin pour les ennemis. Oula. Bon, après, c'est rigolo 2 minutes, mais rapidement on fait le tour et bon, c'est pas non plus un gameplay extraordinaire. Il y a la barre de vie en haut à gauche, hein, vous avez vu, c'est quand même assez permissif. Hein, on a le droit de se faire toucher plusieurs fois quand même. En plus, sur le chemin, on peut tomber sur des capsules qui nous permettent de récupérer de la vie. Et on débarque. Voilà, après, c'est comme Sonic Rush premier du nom, il est réussi. En un peu mieux, il est un peu plus complet que Sonic Rush tout court. Bon, allez, Blaze pour le fun. Faut quand même changer le personnage. On peut faire un bon départ. Allez. Par contre, il faut un tempo assez spécifique. Un peu comme le début de Mario Kart Wii, où il faut la plupart des Mario Kart. Sauf celui sur GameCube, qui est un peu différent. Où il faut appuyer sur le bouton d'accélération à partir du 2. Quand il y a 3, 2, 1 pour commencer la course. Pour pouvoir faire un petit boost. Là, c'est un peu pareil. Hop. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a quand même... Dans les niveaux, il peut y avoir des décors en 3D, quelquefois. Il me semble qu'il n'y en avait pas dans Sonic Rush premier du nom. Et c'est plutôt bien incorporé, parce que dans Sonic Rush premier du nom, les seules modélisations 3D qu'on avait, c'était les personnages. Et sinon, les décors en 3D... c'était que dans les boss, voilà. Que dans les arènes de boss. Alors que là, voilà, dans ce Sonic Rush Adventures, on a, voilà, comme cette espèce d'encre là en 3D. C'est plutôt sympa. Plutôt bien modélisé. Hop, ah, et aussi, il y a une amélioration par rapport à Sonic Rush. Enfin, il me semble que ça y était pas dans Sonic Rush. C'est que quand on est sur... Hop. Bon, déjà, ça c'est nouveau aussi, les petits plans en 3D comme ça. Je suis complètement viandé. Mais ce n'est pas grave. Ah, et puis vous pouvez voir quand même que
c'est très vif, il y a, voilà, il y a un bateau qui nous attaque en arrière-plan. C'est assez rythmé. Hop. Alors les musiques par contre sont de moins bonne qualité quand même. Hein. Je sentais que là le compositeur il avait fait un très bon boulot dans le premier épisode. Là par contre j'en ai pas. Enfin, j'ai pas retenu un seul thème dans celui-là. Enfin, à part le thème de l'écran titre. Avec la chanteuse là. You can jump. Voilà. Tu peux sauter. Je pense que ça veut tout dire, c'est tu peux sauter l'introduction du jeu. Hein, parce que je chante très mal. C'est beau. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, B? C'est pas génial. Hein. Je suis désolé Blaze, hein, mais ce n'est pas génial. Ah voilà, on enchaîne direct sur le deuxième acte. Enfin, je vais pas vous montrer grand chose, hein. Là, voilà, deuxième acte, on va le faire vite fait. Du coup, on va faire le boss, on va enchaîner le boss juste après. Ah oui, ce qu'ils ont rajouté, j'ai oublié de dire, il me semble que ça y était pas dans Sonic Crush Premier du Nom. Il me semble que dans Sonic Crush Premier du Nom, si on était sur un... Merde. Si on était sur un... Comment on appelle ça? Si on faisait du grind, tout simplement, si on était sur une corde et qu'on faisait du grind... Hop, comme ça. Eh bien, en appuyant sur B... En appuyant sur B, eh bien, le personnage sautait et donc avait tendance voilà, à tomber du grind. C'est un peu pénible et là, ils ont corrigé ça. On n'est plus obligé d'appuyer sur R pour faire les acrobaties sur du grind. Et maintenant, on peut en faire aussi avec le bouton B. Donc, c'est pas plus mal. Ah, et puis aussi, les acrobaties s'enchaînent un peu plus rapidement quand on est en... Quand le boost est au max. Alors que dans Sonic Crush Premier du Nom, ça ne changeait pas grand-chose. Donc voilà, ça a un peu fluidifié le truc. Le gameplay est un peu plus fluide. Même si, bon, Sonic Crush Premier du Nom reste quand même une référence. Où aller là? Ah, ok. Yeah. Voilà, par exemple, vous entendez voilà le thème qu'on entend en fond. Là. Il n'est pas formidable. Ah, il est très très moyen. On sentait que le compositeur là. Ah, c'était les vacances pour lui bientôt. Contrairement à nous, là, c'est la fin des vacances. C'est triste. Un peu. Ce n'est pas une prestation formidable, mais... J'ai fini le niveau. C'est à noter, c'est à prescrire. Dans mon CV, c'est important. Ah, donc le deuxième boss... Enfin, plutôt le deuxième boss de la vidéo. Ah oui, il est assez spécial celui-là, je m'en souviens. Faut monter là-haut, hop. D'ailleurs, c'est toujours les transitions hein, sur les deux écrans, est toujours parfaites. Elles sont toujours parfaites, les transitions. Elles se font de façon naturelle. Enfin, elles se font, plutôt. Oui. Ah, j'ai du monde. Hop, et donc faut toucher le squelette pour pouvoir sortir son espèce de... Je sais pas trop ce que c'est... Cette espèce de boule de cristal rouge, là, qui est au milieu de son corps. Ah oui, par contre, le jeu a tendance vraiment à ramer dans celui-là. Alors, c'est pas dans les niveaux, mais c'est dans les boss. Des fois, on sent que ça rame. Ça en devient même presque injouable. C'est vraiment dommage. Hein. On n'est jamais habitué à ça. Dans un Sonic, d'habitude, c'est super fluide. Et Sonic sur console portable, d'habitude, c'est toujours super fluide.
Je précise bien console portable, évidemment. Sur console de salon. Sonic 2006, voilà. Ah, mais dégage. Voilà. Ah, et là, faut le toucher à la fin, voilà, c'est le truc final. Allez. Bah, il s'enfuit, le fourbe. Ah, par contre, quelque chose de très important à noter. Je trouve que quand on finit un boss, l'explosion, la finale, dans ce Sonic Rush Adventures, est très moche. Pourquoi ils n'ont pas gardé l'explosion qu'on avait dans Sonic Rush? C'était en 2D, mais c'était bien plus stylé. Là, c'est en 3D, c'est juste une boule d'énergie qui grossit. D'où c'est une explosion, ce truc. Voilà, c'est la déception. C'est peut-être le seul point faible qu'il a par rapport à Sonic Rush. Alors, on va faire le sous-marin pour le fun. Même si ce n'est pas le plus palpitant. Alors, attendez. Bon, on va aller sur une petite île. Voilà. Hop. Ah, aussi, j'ai oublié de vous dire, mais quand... Hop, on va faire start. Parce que, bon, j'ai un peu honte de vous montrer Sonic qui est en train de caler. Je ne sais pas où il a eu son permis, mais bon. Sûrement à l'armée. En tout cas, voilà, là, voilà, on tire sur les anneaux pour récupérer les anneaux, c'est classique. Là, hop, là, faut suivre. Hop, avec le stylet, l'ennemi qui bouge, là. Enfin, vous m'avez compris. Faut tirer sur les différents ennemis avant qu'ils nous tirent dessus. Qui nous fonce dessus comme des kamikazes. Hop. Voilà, ce n'est pas très palpitant. Et oui, j'ai oublié de vous dire, mais sur l'écran supérieur, on peut voir où l'on est rendu sur notre tracé. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Franchement, je trouve que les deux écrans sont parfaitement bien utilisés. C'est quand même assez rare de le souligner sur un jeu DS, surtout un jeu de plateforme. Généralement, les jeux de plateforme sur DS, il n'y a qu'un écran qui est réellement utilisé. Le deuxième écran, il sert juste au menu pause ou je ne sais pas quoi d'autre. Ou à afficher un JPEG pour décorer le truc. Je sais pas, il me semble que dans... Par exemple, dans New Super Mario Bros. DS, il me semble que le deuxième écran sert vraiment à rien. Il servait à quoi? Il servait à rien. Ah si, à utiliser un objet, c'est ça. Et c'est tout. Alors que là, il a, voilà, les deux écrans sont réellement bien utilisés. C'est quand même assez ironique, mais bon, Sega connaît plus la console que Nintendo. C'est un peu triste. C'est quand même les concurrents qui connaissent plus la console. Ils font un meilleur jeu... Enfin, comment dire, ils font un jeu de meilleure qualité que Nintendo. C'est ça le pire. Est-ce qu'on a eu un jeu de plateforme vraiment bon sur la Nintendo DS? Parce que le New Super Mario Bros. DS, il était pas fou. Hein. Franchement, Sonic Rush l'enterre. Je parle même pas d'aventure. Sonic Rush premier du nom. Quelques matériaux. Ah d'ailleurs faut voir Tails il me semble pour les matériaux. Laisse-moi améliorer le sous-marin. Si tu veux améliorer le sous-marin, fais-moi signe. Voilà. Il propose direct quel truc il veut améliorer. Alors là peut-être, je ne sais plus, peut-être que j'ai upgradé toutes les autres machines et qu'il reste que le sous-marin. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment besoin de l'upgrader le sous-marin parce que c'est pas quand même très, très difficile, les phases que l'on fait avec le sous-marin. Voilà, on va... magnifique viking, là. Le gros ours déguisé en viking, voilà. C'est le grizzly. Là, je pense que c'est l'un des viewers du gros ours.
Voilà, il est abonné en mode grizzly, et du coup, voilà, il a cet accoutrement. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? On a déjà fait les champignons. Allez, hop, ce niveau-là. Fichtre. C'est un autre environnement. Je sais pas, on est à combien de minutes? Ah purée, déjà 30 minutes? 20 dieux? C'est pas super vite. Moi qui voulais vous faire un vidéo test plus court que Sonic Rush. Bon, Sonic Rush, j'avais beaucoup de choses à raconter. Mais là, Rush Adventures reprend en fait les acquis de son épisode précédent. C'est à peu près le même gameplay. Avec quelques nouveautés, mais bon. Comme les 4 véhicules, mais sinon, à part ça. Bon, c'est quand même un épisode avec pas mal de nouveautés en plus, hein, comme vous pouvez le voir. Ils ont quand même pris un peu de risque, hein, contrairement à Nintendo, j'ai envie de dire. Parce que Nintendo avec Mario, ils restent un peu trop sur leurs acquis. Je parle des épisodes 2D. Évidemment, en 3D, c'est autre chose. Surtout qu'avant, bah, on avait... C'était revenu à la mode, les jeux en 2D. Et voilà, le New Super Mario Bros. Wii en est complètement l'exemple. Parfait. Car quand même, on était sur console de salon. Et sur console de salon, on revient à de la 2D. C'est assez peu commun. Alors à l'époque, c'était quand même bienvenu. Mais bon, quand on a vu l'un des premiers jeux de la Wii U, surtout qui montrait, voilà, pour faire vendre la console, c'était ce jeu-là qu'il montrait vraiment... Principalement Nintendo. Avec le jeu offert qu'on avait avec la console, c'était Nintendo Land. Eh bien, on avait ce New Super Mario Bros. Wii U, qui était encore moins bon que New Super Mario Bros. Wii. Et qui était moche. Enfin, voilà. Je suis un fan de Nintendo, mais j'hésite pas à critiquer Nintendo. Quand ça ne va pas, c'est une catastrophe. D'ailleurs, ce Sonic Rush Adventure est bien plus beau que New Super Mario Bros. Wii, c'est ça le pire. Ah, on défonce tout là. Et il a un meilleur level design. Ah là là. Hop. Après, on dit que les Sonic ne sont pas en forme, mais bon. On avait quand même Sonic Rush sur DS. Après, oui, on ne pouvait pas jouer à deux en même temps, tout ça. Enfin, ou si, mais on était contre. Ah, ça c'est pas mal, petite nouveauté aussi. Hop, l'espèce de deltaplane avec des... hop, des réacteurs. Que l'on active à chaque... coup de croix directionnelle vers le haut. Hop. Tout one up. Looping complètement raté. C'est pour vous montrer que ce Sonic Rush Adventures n'est pas complètement scripté et qu'on peut prendre un peu n'importe comment les loopings. Contrairement à Sonic 2006. C'est scripté, il prend le looping parfaitement. Ou alors... si ce n'est pas scripté, ça fait planter la console, mais bon. Voilà, Sonic 2006. Je sais pas pourquoi j'en parle encore de ce jeu. Enfin, parce que c'est à peu près la même époque, parce que Sonic Rush Adventures... enfin, le Sonic Rush est sorti en 2005, il me semble. Donc le Rush Adventures... je ne saurais vous dire. Il me semble qu'il était sorti vraiment juste après. Surtout d'ailleurs qu'il y a eu un troisième Sonic en 2D sur DS, qui était d'aussi bonne qualité, voire un peu meilleur selon les commentaires, selon les critiques.
s'agit bien sûr de l'adaptation de Sonic Colors, du coup, sur DS. Donc on a un jeu reprenant le gameplay des Sonic Rush, avec les nouveautés que pouvait apporter Sonic Colors. Donc c'est-à-dire les différentes transformations avec les Wisps. Donc après, je n'ai jamais fait, hein. C'est l'un des Sonic que je ne possède pas. L'un des très rares Sonic que je ne possède pas. Et bon, peut-être qu'un jour, je vais essayer de me l'approprier et de vous en faire un test pour donner mon avis sur ce Sonic Colors DS. Pour voir si c'est un digne successeur des Sonic Rush. Parce que bon, il se rapproche beaucoup plus évidemment d'un Sonic Rush que de Sonic Colors sur la version Wii. D'ailleurs, Sonic Colors est ressorti récemment sur Switch et PC. Il me semble même aussi sur PS4 et Xbox. J'ai un doute. Je pense. Dans une version remastered, Edition, en 60 FPS. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment en 60 FPS sur Switch. C'est peut-être un miracle s'il est en 60 FPS sur Switch. Alors 60 FPS, mais avec des à-coups, hein. On a l'habitude avec la Switch. Avec le Zelda Link Awakening. B égale the best, évidemment. C'est la meilleure note. Voilà, bon, on va se quitter après ce boss. Aussi comme dans Sonic Rush, hein, comme dans la plupart des Sonic 2D qui se respectent. Hop, et ben on a... Voilà, on a la possibilité de récupérer toutes les émeraudes du chaos pour pouvoir avoir la vraie fin. Et combattre le vrai boss final. Ah, par contre dans celui-là, il me semble qu'il n'y a pas de niveau bonus. Hein. Non, c'est remplacé par des courses contre... contre le personnage en question, contre lequel je ne peux plus jouer car je l'ai déjà vaincu. On ne peut pas refaire ces phases-là, c'est assez dommage. Après, généralement, elles sont assez simples et c'est beaucoup plus facile d'avoir toutes les émeraudes du chaos dans cet épisode que dans le premier Sonic Rush. Où là, c'était vraiment... Je vous avais pas dit le truc, mais Sonic Rush... Alors, à partir du 6ème stage bonus, généralement les 5 premiers stages bonus sont assez simples. Et voilà, à partir du 6ème, c'est une catastrophe. C'est ultra hard, pas le droit à l'erreur. T'es obligé de le refaire plusieurs fois. Et bon, ça on a l'habitude avec les stages bonus des Sonic 2D. C'est généralement quand même assez hard. Hop. C'est un sac à PV. Oh, c'est plutôt rigolo le concept, hein, voilà, de lui envoyer ces espèces de boules. Évidemment, la boule jaune a fait un peu plus de dégâts que la bleue. Et par contre, elle est un peu plus lourde, donc un peu plus dure à envoyer vers le boss. Hop. Et la rouge, elle fait encore plus de dégâts, mais évidemment, elle est encore plus lourde. Bon, plutôt classique, mais bon, c'est assez efficace. Surtout que vous voyez que la transition... entre les deux écrans, se porte à merveille. Ça marche vachement bien. Donc voilà, que dire pour conclure ce magnifique épisode. Sonic Rush Adventure, bah, globalement Sonic Rush Adventure, c'est Sonic Rush avec quelques rajouts. Plus de... Il y a plus de niveaux, il y a plus de contenu. Et ce n'est pas forcément mal, parce que c'est... Bah, le level design est un peu plus riche. Globalement, le jeu est de meilleure qualité que Sonic Rush. C'est une amélioration de Sonic Rush. Donc ce n'est pas qu'une simple évolution.
Après, on garde un peu, voilà, c'est à peu près le même moteur graphique, donc il n'est pas beaucoup plus beau que l'épisode précédent. Mais il s'affine un peu plus et... Bon, on ne va pas se cacher, c'est quand même ce que fait de mieux la DS hein, en termes de graphisme. Et bref, que dire de plus ? Bah, un incontournable de la DS, hein, c'est l'un des jeux à posséder sur DS. Sonic Colors, d'après les commentaires, est encore mieux. Donc j'ai hâte de l'essayer un jour, s'il n'est pas trop difficile à choper. En tout cas, il me semble que Sonic Rush et Sonic Rush Adventures sont des jeux bah, qui se sont globalement plutôt bien vendus à l'époque. Et donc maintenant, on peut les retrouver vraiment pas cher d'occasion. Après, la DS en elle-même, c'est une console qui s'est incroyablement bien vendue, quasiment autant que la PS2. C'est la console portable qui s'est le plus vendue au monde. Mais elle est juste en dessous de la PS2, alors je ne sais plus combien de... Je crois que c'est... Elle est quand même pas vraiment juste en dessous quand même, il y a quand même un fossé. La PS2 s'est tellement vendue, purée, c'est vendu par camion cette console. Le gars qui... Attends. Le gars qui a une console chez lui, mais qui n'a pas de PS2, alors là, pour moi, c'est un extraterrestre. Voilà. Encore plus si c'est une GameCube. Et encore pire si c'est qu'une Dreamcast, et qu'il n'a pas de PS2. Alors là, mais... Il vit où? En tout cas, il ne vit pas sur la planète Terre. Et bref, voilà, c'est... sur DS, généralement, les jeux d'occasion ne sont pas trop chers. Enfin, généralement, les jeux qui cotent le plus, c'est plutôt les Final Fantasy. Il y a eu des remakes de Final Fantasy sur DS, qui étaient assez réussis, et qui coûtent maintenant hyper cher. Alors qu'à l'époque, ils coûtaient, je crois, 9-40 euros, c'était quand même pas donné, les jeux DS. Les jeux 3DS, c'est 5 euros de plus, 45 euros. Ça fait un peu mal. Toujours plus cher, de toute façon. Avec Nintendo. Regardez le prix des jeux Switch. Ça fait mal. Très mal. Bref, voilà. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et pour de futurs vidéotests sur cette magnifique machine qui n'a pas eu le temps de nous dévoiler tous ces jeux. Encore beaucoup de contenu sur DS. Alors, voyons.